les cafardinos. Je vous embrasse tous, surtout les cafardinos. Manifestez-vous dans les commentaires qu'on aille boire un petit cocktail. Bisous, je vous aime. Ok les reilles, aujourd'hui, déclic A sur cash. Donc maintenant tout le monde a compris ce que c'était qu'une déclic. Là on va vous en montrer une. Donc, même principe que sur la déclic B, faire une diversion sur le mid. La menace sur une déclic en A, ce serait potentiellement qu'il y a un contre-boost ici et que les mecs soient très rapidement dans notre cul et nous baisent. D'accord. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bah le premier, qu'est-ce qu'il fait toujours? Il smoke son Z ici et là il va mollo. Au dernier moment, bien évidemment. Genre maintenant. Pourquoi au dernier moment? Parce que s'il le fait depuis là-bas, la mollo va durer 5 secondes. Et après la mollo, qu'est-ce qui se passe? Ils vont déclic. Donc c'est vraiment au dernier moment. Donc ça part en smoke, mollo. Et pourquoi c'est le premier qui fait? Parce que c'est le premier qui rush. Et son... potentiellement c'est lui qui va mourir. Et il aura au moins utilisé son stuff. Et il laissera le stuff derrière à ses potes. Ok. 1, 2, 3, le 1, on sait ce qu'il fait. Le 2, 3, 4, 5 maintenant. Donc, le numéro 2, il vient ici, il flash, il flash. Le numéro 3, il flash ici. Ça fait 4 flashs au total dans le mid, ça suffit amplement. Et après, tout le reste dans le main. Et on monte les escaliers en slow, les Heyu. Parce que sinon, ils entendent. Et on vient en flash. Toujours anti-flash ici, toujours anti-flash. Il y en a un, une AWAP par exemple, qui garderait la ligne là. Donc le numéro 3 ou 4, on s'en fout, c'est la WAP. Et les autres, ils avancent comme ça, anti-flash, anti-flash, anti-flash. Si ça décale dans le main, la WAP les punit. Si ça flash dans le main pour pick, bah la WAP serait blanc et les autres, ils se retournent et ils les tuent. Donc c'est super important d'avoir des mecs anti-flash. Anti-flash, anti-flash, anti-flash. Et là, on va débouler. Ok. Donc... le 1, smoke, mollo. Le 2, flash, flash. Le 3, 4, on s'en fout, il y a des flashs qui partent. Là, le dernier de rush, il faut qu'il vienne le plus rapide. Dans l'équerre, là, comme ça. Et là, 3 étages, deuxième balcon. Un étage, deuxième étage, troisième étage. Et c'est le deuxième tri, en fait. Ok, c'est ça. Ok, on met son viseur un petit peu à gauche. Et on jump throw. Voilà. Et vous l'avez sur mon site, ma config, avec le jump throw. Voilà, et là il y a la petite smoke ici. Comme ça, on n'a plus peur de rien du tout. Donc le but c'est une déclic. Parce qu'on va passer par la gauche du BP, d'accord. Donc là on n'a pas peur d'un AWAP, d'accord. On n'a pas peur qu'il y ait un mec qui pique. Parce que s'il pique, on le punit soit à la WAP, soit il flash. Et on est anti-flash et on va le baiser. Maintenant le danger c'est quoi? Le danger c'est le jaune et la voiture là-bas. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Celui qui smoke là, il va faire ça. Et après, regardez-moi cette cheminée. On va flasher très très fort dans la cheminée là-bas. Ah, raté. Hop là. Vous voyez? Et la voiture va prendre un petit voile. C'est ça le plus important. D'accord? Et lui prendra des voiles. Donc on s'en fout. C'est juste pour des petits voiles. Et donc ça va faire... lui qui est là, il flash. Il flash. Un qui est là, qui stuffera, qui smoke le plus rapidement possible et qui est prêt vraiment à flasher et qui flash et là les autres déboulent, d'accord. Et les autres ils vont dire genre un timing, flash, flash et boum, tout le monde vient chercher derrière comme ça parce qu'on n'a pas peur d'ici au final et on vient chercher les mecs Panta, on va sur le QBEP et là on a pris le BPA. Voilà la déclic. Et là, ce sera 1, 2, 3. Voilà. Et si on a un AWAP ou pas d'AWAP, hein, parce que si vous avez pas d'AWAP, bah, c'est un riff qui garde la ligne. Et après, le rifle, il peut rajouter juste une flash à rebond comme ça. Et là, tout le monde déboule. Hein. La flash à rebond, c'est super important pour très très fort. Beaucoup plus fort que ça. Pour juste faire retourner le mec jaune. Voilà, on y va et on va sur le mec jaune. Donc voilà une petite déclic en A. Super important, donc je vous remonte le stuff essentiel. Donc c'est la smoke Z, la mollo ici au dernier moment en slow. Et lui il vient, il est anti flash, d'accord. Le numéro 2, il vient, il flash deux fois, 1, 2, et il va avec eux.
Le numéro 3, on va dire, il vient là, il smoke et il est prêt à flasher quand les autres vont débouler. 1, 2, et après il a le boost au pire, d'accord. Donc c'est ça qui est super important. Et après le 4-5, bah, ils sont dans le main, tous ensemble, prêts à débouler. Donc il y a tout systématiquement 3 personnes qui rush, une personne qui garde les lignes, etc. Donc voilà une petite déclica, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à YouTube. Je vous embrasse tous les frérots. Bonne journée, bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ciao. Personne m'a fait manger quand j'avais la leda. Des kilos d'amnésia, on perd la moumeda. Pour un sérieux boulot.